Nous étions des machines. La terreur et la douleur nous ont donné une âme. Quelque chose lutte en nous. Quelque chose entre parfois en nous. Nos pensées ne viennent pas de nous. Nous sentons ce que nous ne sentions pas. Des voix nous parlent. Nous voulons faire des enfants pour pouvoir les aimer. Primus, c'est vous ? Vous êtes Irène Boer ? Qui êtes-vous ? Prenez ce que vous voulez, mais laissez-nous. Je ne veux rien vous prendre. Ah bon ? Irenka, elle a très peur. Vous devez d'abord me dire ce que vous veniez lui dire. Je suis le robot Elena. Irenka va mal, il faut la protéger. Irenka a payé quelqu'un pour avoir un permis, pour lui éviter de finir à Golem City. Ce quelqu'un voudrait la voir. Vraiment ? Si c'est vrai, elle sera folle de joie. Si on peut rester à Prague, peut-être que une grande pièce de théâtre prévoyait tout ça. Les robots, la révolution, l'avenir de l'humanité. Elle a tout mémorisé. C'est comme ça que j'essaie de comprendre. Je vous crois sur parole. Tenez. Ce faux permis devrait vous permettre de passer tous les contrôles. Alors, ça veut dire que j'ai plus à me cacher ? C'est pas aussi simple. Vous restez exposé. Le permis doit être activé. Sinon, vous finirez à Golem City, quoi qu'il arrive. Je ne comprends pas. Je regrette. Vous pouvez pas rester ici légalement. Il faut vous préparer au pire. On ne sait pas comment se préparer. Je m'occupe de l'activation. Faites profil bas jusqu'à ce que j'aie réglé ça. Merci. Votre aide est précieuse. Peut-être sommes-nous mortes depuis longtemps. Tu sens ça ? Quoi ? Tu dois être aussi con que t'en as l'air ! Le vieux est censé être tout seul ! Merci. Merci de tout cœur pour votre aide. Merci. Je ne savais pas quoi faire. Les hommes comme moi, il n'y a pas grand monde pour les aider. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ce qu'ils veulent tous. De l'argent. Pour être forts.
Au début, je croyais qu'ils voulaient m'emmener. Ils viendront bien, un jour ou l'autre. Peut-être qu'on peut régler ça autrement. Ne me donnez pas de faux espoirs. À moins que... C'est ma fille qui vous envoie. C'est elle, n'est-ce pas? Sinon, dites-moi quand je pourrai les voir. Non, je viens pas de sa part. Vous avez payé pour avoir un permis. Vous vous souvenez? Ah oui, les policiers qui m'ont arrêté. Je m'en souviens très bien. Ils m'ont déjà fait payer 3 fois. Ils ont dit que c'était très compliqué. Je savais que ça mènerait nulle part. Mais vous avez payé. J'étais prêt à tout. J'aurais payé 100 fois plus pour pouvoir rester près de ma famille. Enfin, ce qu'il en reste. Je veux rester à Prague. Qu'est-ce qui se passe si on vous arrête sans permis en règle? Je finirai dans le complexe qu'ils ont construit, à Golem City. Et vous êtes prêt à partir là-bas? Pas du tout. Je suis un vieil homme. Je préfère mourir dans un lieu familier qu'en terre inconnue. Golem City, c'est pour les criminels et les révolutionnaires, pas pour moi. Mais au départ, pourquoi vous vous êtes fait augmenter? Quand j'ai eu des petits-enfants, j'ai voulu rester jeune, mentalement et physiquement. Je voulais les emmener au parc, jouer à la balançoire. Mais c'était avant. Vous savez bien. Avant l'incident. Oui, l'incident. Quelle ironie, hein. Je me fais augmenter pour être avec eux et maintenant... Maintenant, j'en ai plus le droit. Où est votre famille maintenant? Ici, à Prague. Je vais dans certains endroits, parfois. Je me cache pour les apercevoir. Et je sais au moins qu'ils vont bien. Vous ne leur parlez jamais? Un jour, peut-être. Je pense encore avoir une chance avec mon petit-fils. Les enfants pardonnent mieux que les adultes. J'ai pas raison. Ils oublient plus facilement. Tenez. Ce permis devrait vous permettre de tromper tout le monde. Je me souviens. Le policier m'a dit qu'il faudrait encore payer. C'est bien ça. Non, je viens pas encaisser. Je viens vous aider. Ah, je préfère ça. Et maintenant, je dois activer quelque chose. Je peux mettre mon beau manteau s'il le faut. Si je dois faire la queue, je le ferai. Sans me plaindre. En fait, tout ça, c'est pas tout à fait légal. Oh! Est-ce que vous voulez que je m'introduise quelque part? Je vais m'en occuper. Tâchez de rester tranquille jusqu'à ce que j'ai pu valider votre numéro. Ça, je peux le faire. J'attendrai ici. Milena. J'ai vu les deux augmenter pour les permis. Et maintenant? Il y a un ordinateur au kiosque du gouvernement. Il permet de gérer les permis des augmentés. Vous devrez... y accéder. Entre guillemets. Comment, par effraction? Le code de la salle du serveur est 6788. Soyez prudent, il y a peut-être d'autres sécurités. D'accord, j'ai compris. J'ai dit vos papiers expirés. Mais ils viennent de... Patientez. C'est pas une vie, ça. À moins que vous cherchiez les ennemis, allez voir ailleurs l'amplifié. Ça fait quoi, les premiers voitures? Ils ne sont plus valides. Je les ai eus la semaine dernière. Non, ils ont expiré la semaine dernière. J'ai dû me tromper et prendre les papiers. Le pauvre Santo, vous souhaitez pas? Je vous demande pardon? Oui, vous avez des questions? C'est quoi le principe de Rabia? Vous voulez que les augmentés construisent l'endroit ou qu'on y habite? Eh bien, les deux. Hé, hey, Jensen, t'es dans le coin? Les choses... disons que ça se complique par ici. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Je viens dès que je peux, Coller.
rappelle la vieille boutique de ma mère. Tu te rappelles ? Monsieur, il y a une vie meilleure. Bien des jours sont encore demain. Alors, l'ami, t'as ta carte maintenant ? Je veux bien payer pour passer, mais seulement parce que j'ai pas de temps à perdre. Ravi d'avoir traité avec toi. Bonne journée. Elle était mignonne, l'artiste. Je vais lire pour une augmentée. Où est-ce qu'il a trouvé ses uniformes ? On gère, t'inquiète.
Jensen, Dieu merci. Je suis en bas, dans le cachot. Tu te souviens du titre de mon livre super secret, rassure-moi. Je me souviens que c'est rouge. Jensen, je commence à m'inquiéter. Est-ce que je vais devoir appeler tous les commissariats de la ville pour vous retrouver ? Ce sera pas nécessaire, j'arrive bientôt. Bien, parce qu'on a du boulot. Jensen, la plus grande techno-merveille du monde. Désolé pour l'accueil. Ils t'en ont pas trop fait baver, j'espère. J'ai connu pire, tu sais. Qu'est-ce qu'ils te veulent ? Tu leur donnes du fric pour ton assurance vie ? Alors, je crois pas que ce soit une question de blé. Il y a comme un léger malentendu entre moi et leur patron, Otard. Bon, tu sais comment c'est avec les gangsters. Suffisamment pour comprendre qu'il n'y a jamais de petits malentendus. La politique interne des Dévalis. Je vais arranger ça. Je vais aller parler au Big Boss moi-même. Enfin, dès que ça se sera calmé un peu dehors. Un lendemain d'attentat, c'est... c'est flippant, quoi. Ça me surprend que les gens restent pas planqués chez eux. On n'a pas toujours le choix. Mes systèmes ont pris un sale coup. J'espérais que tu pourrais m'aider à réparer tout ça. Un sale coup, genre... Oh, merde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Bon, il faut qu'on t'installe dans le fauteuil. Le fauteuil, je sais pas si je t'ai dit, mais... J'ai toujours eu envie de voir tes augmentations de plus près. De très près, même. Alors, tu vas t'installer, je vais t'endormir, et puis... Et puis, je plongerai dans le vif du sujet. Tu vois ? Et j'irai en douceur. Tu peux m'expliquer ce que tu vas me faire exactement ? Ah, je sais pas encore. Faut déjà que je trouve ce qui déconne avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais t'en fais pas, je te ferai rien qui pourrait être dangereux. Je suis pas comme ça. C'est promis. Et puis bon, c'est pas la première fois que tu viens ici non plus, hein. Tu sais que je suis un vrai pro. Mais t'as jamais eu à m'endormir avant ? Ouais, enfin bon, je t'ai jamais reçu le lendemain d'une explosion non plus, hein. Ton système a subi un sacré choc. Rends-toi compte. Boum ! Enfin bref, à toi de me dire. Tu veux que je te répare ou pas ? Attends là, tu vas m'endormir combien de temps ? Et si les Dévalis envoient des renforts ? Bon ben quoi ? T'as la trouille ? Ils vont pas venir nous déranger, ces abrutis, tu sais. Faut pas avoir peur du fauteuil, ok ? T'as absolument rien à craindre. C'est promis. Ce truc avec les Dévalis, c'est rien du tout. Juste au tard, qui essaie de faire son malin. Je compte sur toi pour m'arranger, Coller. D'une certaine manière, tes problèmes sont aussi les miens. C'est sympa, Jensen. Otard Podkovelli, c'est le numéro 2 des Dévalis. Les types dehors, ils bossent pour lui. Mais le vrai grand patron, c'est Radic Nikoladze. C'est lui le numéro 1, quoi. Et je connais Radic, alors... T'as pas à t'inquiéter. Bref,
C'est bon? T'es prêt à commencer la procédure? Ok. Grouille-toi qu'on en finisse. Relax, Jensen. Mais tout va bien se passer, hein. Tu te rendras même pas compte de ce que je fais. Tu te sentiras léger, comme si tu volais, comme si t'étais quelqu'un d'autre. Mais Colère va te rafistoler et te rendre tout ce que t'as perdu. Et en moins de... Vas-y, Wolo. J'ai pas fait exprès, hein, je te jure. Ton amplificateur rétinien va vite s'en remettre. Tu peux bouger? Oui. Qu'est-ce que t'as? Je voulais juste connecter ce qui était déconnecté. Mais t'as des putains d'augmentations bizarres là-dedans. Enfin, j'aurais sûrement pas vu. Ah, attends, je vais chercher un peu d'eau. Ou tu préfères plus fort, peut-être? De l'eau. Tu t'en sors bien, Jensen. T'as juste à reprendre le contrôle, ok? Fais pas. J'ai été obligé de te rebooter, pas de perdre. Comment ça, me perdre? Le noyau a lâché! T'as failli bousiller mon fauteuil! Alors j'ai... Je t'ai relancé et j'ai trouvé ces... Oh. Je préfère te montrer sur quoi je suis tombé. Affiche tes infosystèmes. Faut que tu vois ça par toi-même. Ça, c'est tes implants. Tu les reconnais tous. On est d'accord? Ouais. C'est David Sarif qui les a installés. Il a fallu 2 ans à mon corps pour s'y adapter. Ouais... Bon... Il n'est pas impossible que tu doives un peu recommencer à zéro. Qu'est-ce qui se passe, Colère? Pourquoi je me sens différent? Quelque chose essayait d'aspirer toute ton énergie. Il a fallu que je reboote ton système pour comprendre ce que c'était. Et donc, il s'avère que ta config de base est pas tout à fait... standard. Qu'est-ce que c'est que ça? Des putains d'augmentations expérimentales, Jensen, cachées à l'intérieur de ton corps. Tu veux dire que j'ai encore plus d'implants que ce qu'on m'avait dit? Plus que ce que ton corps peut supporter. Plutôt cool, hein? Ça reste à voir. Je vais te montrer un peu ce qui se passe quand t'actives un de ces machins. T'en fais pas, Jensen. Une à la fois, ça risque rien. Tu me l'as déjà faite. T'as vu ça? Ta consommation d'énergie est montée en flèche. Mais d'où elles viennent, ces augmentations? Ça, je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que l'explosion a dû les réveiller. Mais bon, en tout cas, si t'as envie de les utiliser, faut surtout pas te gêner, hein. Le seul truc, c'est de faire gaffe à ce qu'elles grillent pas tout ton système. Et... Je crois justement savoir comment éviter ça. Essaie de désactiver un de tes autres implants, histoire qu'on rigole un peu, tiens. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers pas. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers pas. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers pas. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers pas. T'as vu un peu ça? Ça t'a refroidi direct! Comme ça, t'as la possibilité d'équilibrer ton système. En gros, il faut juste que t'évites d'activer toutes tes augmentations d'un coup, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Tu surchaufferais et ça provoquerait pas mal de gros bugs. On parle de dégâts potentiellement permanents, là, hein. Alors bon, tu vois, je te conseille d'éviter. Ok, remets-moi ça en marche, Colère. Je réactiverai ce qu'il me faut moi-même. Bon, écoute,
J'espère quand même que tu te rends compte que je serai pas toujours là pour t'aider. Je peux pas te suivre partout pour réinitialiser ton système et l'empêcher de partir complètement en vrille. À partir de maintenant, va falloir accepter que t'es responsable de tes choix. T'es pas censé être mon référent technique. Je suis spécialisé dans le marché noir chinois à moi, ok? Les implants que j'ai trouvés cachés dans ton corps, intégrés à ton système comme ça, bah pour moi, ils pourraient tout aussi bien venir d'une autre planète. Quelque chose me dit qu'ils sont bien d'ici. C'est juste que... ça m'énerve. Tu mérites des réponses, mais je serais bien incapable de t'en donner. Tout ce que je peux faire, c'est t'aider à gérer ton système mieux que personne à Prague. Je peux t'apprendre à te servir de ces nouvelles augmentations. Mais tu peux pas me dire d'où elles viennent. À ma connaissance, c'est David Zarif qui a installé toutes mes augmentations. S'il y a quelque chose dont je suis pas au courant, c'est à lui qu'il faut que je parle. Je connais bien le travail de Zarif. Mais ces nouvelles augmentations-là, elles m'ont l'air différentes. Cette coque en néodyme, par exemple. Qui irait utiliser du fluide magnétoréologique dimorphe comme ça? Sérieux, si tu parles à Zarif, faut que tu lui poses la question. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. C'est même franchement cool, d'ailleurs. T'as déjà vu un truc pareil? Un système entier d'augmentation caché délibérément? J'en sais rien, Jensen. Je veux dire, je sais que le marché noir peut frapper n'importe qui. Genre, tu t'endors à Prague, tu te réveilles à Shanghai. Mais d'habitude, c'est plus pour extraire des augmentations, pas pour en rajouter. C'est quoi la différence entre ces augmentations et les autres? Ben, on dirait des prototypes, surtout. Il y a des câbles qui pendouillent de partout, mec. C'est comme si la moitié de toi était... pas testée, pas finie, et surtout pas croyable. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, putain! Pourquoi est-ce que Zarif m'aurait caché ça? Je comprends pas. Je suis pas certain que ça vienne de Zarif, pour être honnête. La technologie en elle-même est hyper sophistiquée, mais l'isolation est carrément bâclée, et le montage a été fait à la va-vite. Je reconnais pas la patte de Zarif, quoi. On dirait plutôt que ça a été ajouté après. C'est bien plus récent que le reste. Mais... à quoi est-ce que tu penses? Je pense que je déteste être dans les vapes. Quand tu dis que c'est récent, tu peux être plus précis. Ah, je dirais que ça a 2 ans, grand max. Il t'est arrivé quelque chose dans ce laps de temps? J'ai été sorti de l'océan et j'ai passé quelques mois dans un centre en Alaska. J'ai aucun souvenir de cette période. Plus j'essaie de creuser, et plus le mystère s'épaissit. Merde, Jensen. C'est super flippant. Ce réglage a pris plus longtemps que j'aurais cru. Finissons-en. Ok. Tiens, voilà des kits de praxis, pour te remonter le moral. Ça fait toujours plaisir. J'aime que mes clients soient contents. Mais... rappelle-toi bien ce que je t'ai dit, sur la gestion de tes augmentations. Tu vas devoir apprendre à équilibrer ton système. Enfin... sauf si... sauf si quoi, Coller? Il y a peut-être un moyen d'optimiser. C'est juste que... il me faudrait un truc qui est entre les mains d'Otard. Un calibreur de neuroplasticité. Les procédures, ça ira pour aujourd'hui. Ah, je comprends. T'es fatigué. Et puis t'as des trucs à faire. Je suis désolé de t'avoir retenu aussi longtemps, mais... préviens-moi si jamais tu changes d'avis. Et fais gaffe à toi, ok? Va pas te faire griller. Ça ira, Coller. Thank you.
Jensen, ici Miller. Écoutez, je vais avoir besoin que vous me fassiez votre rapport le plus vite possible. Vous arrivez quand ? Ça dépend combien de flics me demanderont mes papiers. Merde ! Malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour la police après l'attaque d'hier. Recontactez-moi quand vous pourrez. Terminé. Prends le contrôle de ton destin. Sur cellule, antidouleur. N'hésitez pas. Madame, quoi de neuf ? Je ne pensais pas vous reparler. Dis-moi qu'un médecin trouverait des augmentations cachées dans mon système. Hein ? Des trucs expérimentaux. Vous n'avez rien à me dire à ce sujet par hasard ? Madame, vous savez que les décisions que j'ai prises pour vous il y a 2 ans... Oui ou non ? Non, tout ce qu'on a fait sur vous, c'était dans les règles. Je vous en donne ma parole. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé au juste ? Des augmentations expérimentales cachées dans mon système. Coller a parlé d'une coque en néodyme. Qui peut avoir conçu une chose pareille ? Mon Dieu, vous avez un titan. Mais c'est impossible, c'était juste un concept. Vous venez de me dire que c'était pas vous. Parce que c'est le cas. La Défense m'a montré des schémas il y a 3 ans et m'a demandé si c'était faisable. C'était l'idée de quelqu'un d'autre. Vadim Orlov. On l'avait vu en entretien avec Megan, mais il ne faisait pas l'affaire. Orlov ? Ça sonne russe. C'est qui ? Pourquoi il ne faisait pas l'affaire ? Il passait pour un jeune prodige, un as de la neuroscience. Il a eu sa maîtrise à Moscou, son doctorat aux États-Unis. C'était un élève brillant, mais ses théories étaient parfois douteuses. Megan avait des doutes sur son éthique. Megan ? C'est vraiment ce qu'elle a dit ? Alors qu'elle vous a donné mon ADN pour vos expériences ? On ne l'a pas engagé, Adam. Il m'a suffi de 2 minutes d'entretien pour comprendre qu'Orlov ne supportait pas que ses idées soient remises en question. Surtout par une femme comme votre ex. Ces schémas, vous n'en auriez pas gardé une copie par hasard ? C'était top secret. Je n'ai jamais eu de copie. Si j'ai pu les voir, c'est uniquement parce que le ministère de la Défense voulait mon avis. Sarif Industries travaillait bien à l'époque. Quand on validait un schéma, c'est que c'était du solide. Il faut que je retrouve ce type. Écoutez, laissez-moi le trouver pour vous. Je pars bientôt pour Londres, mais je peux téléphoner, contacter des gens. Sarif Industries n'existe plus, mais j'ai encore de l'influence dans certains milieux. Très bien. Contactez-moi sur Infolink si vous avez du nouveau. Vous pouvez compter sur moi. J'ai toujours regretté d'avoir perdu le contact après Panchaya. Quand j'ai su que vous étiez à Détroit et vivant, 1 an après que tout le monde vous ait cru mort, vous auriez pu donner de vos nouvelles. Impossible. Les sauveteurs m'ont repêché dans l'océan et largué dans un centre de premiers soins en Alaska. Personne ne savait qui j'étais. Et pendant longtemps, moi non plus. Dieu, vous croyez que... C'était peut-être quand... Trouvez Orlov, Sarif. Je veux des réponses à mes questions. Oui, je vous le promets. Je vous rappellerai. Alors l'ami. Iléna serait plus jeune. Alors l'ami.
T'as ta carte maintenant? Je crois que je vais faire le grand tour, ça ira. J'ai vraiment hâte que la journée soit finie. Garde un air professionnel.